Il y a combien de buts de ton? C'est Gérard Larrieux. 100 000 euros. À 100 000 euros, Glenchier à 100 000. 100 000 euros, 50 000 pour les débats. À 50 000 Gérard Larrieux, Chantier Bloodstock. Agency. À 50 000 euros. À 50 000 euros, Glenchier à 50 000. À 50 000 euros, c'est pas à 50 000. À 50 000 euros, Gérard Larrieux. 50 000 euros, 80 000. À 80 000 euros, Glenchier à 80 000. À 80 000 euros, Glenchier à 80 000. À 80 000 euros. Et à côté de lui, c'était Jean-Louis Bouchard. À 80 000 euros, 100 000, 100 000 euros à 100 000, 100 000 euros à 100 000, à 100 000 euros, Glenchier à 100 000, à 100 000 euros. Propriétaire très important qui achète souvent aux ventes. À 100 000 euros, à 100 000 euros, Glenchier à 100 000, à 100 000 euros. Je travaille beaucoup avec. À 100 000 euros, mettez-vous en chair. Avec Pascal Barry. À 120 000 euros. Alors attention, le propre frère de Cham Spirit, Cham Spirit, lauréat de groupe 1 à 3 reprises. À 180 000 euros, c'est contre vous, Pierre. John Oaks. Et là, autour du ring, Franck Champion, Beren Van Dasven également. À 220 000 euros, et contre vous, Pierre, à 220 000. 220 000 euros, donc pour le propre frère de Charm Spirit. Et Charm Spirit, il avait également été élevé par l'écurie des Monceaux, vendu par l'écurie des Monceaux. Vendu à Sher Abdullah Altani, et il a été entraîné par la suite par Freddy Head pour devenir un triple lauréat de groupe 1. Et il a commencé sa carrière des talons à Twin Hill Farm and Studs en Angleterre donc. Et Charm Spirit est revenu cette année en France au Hara de Bonneval chez l'Agacan. À 350 000 euros, 400 000, 400 000 euros, à 400 000 euros. Guillaume à 400 000, à 400 000 euros, Pierre, que dit-on? Charlie Gordon Watson est au téléphone. À 400 000 euros, c'est contre vous. À 400 000 euros, Gonochel, 400 000. À 400 000 euros, l'enchère est par Guillaume. Plutôt tendu du côté de l'écurie des Monceaux, donc l'éleveur et qui présente donc cette sortie d'invincible spirit. À 500 000 euros et c'est contre vous Solène, pas Pierrick, pas Guillaume, rien dans la salle. 500 000 euros, à 500 000 euros, Glenchier de 500 000, à 500 000 euros, Lovely Coltier, à 500 000 euros, Stallion Pedigree, à 500 000 euros, et c'est votre enchère maintenant, Ingrid. Ted Vaut est également là, c'est lui l'acheteur de Xarino qui a gagné cet après-midi. 500 000 euros, c'est contre vous, à 550 000. 550, Guillaume. Cheikh Fahd est là également. À 550 000 euros. À 550 000 euros et c'est plus vous, Ingrid. À 550. Alors, le restaurant. À 550 000 euros, c'est Guillaume Lanchère. À 550 000 euros, que dit-on, encore. Ingrid. À 550 000 euros, je ne vous vois plus. À 550 000 euros. Alors, risque de me répéter, malheureusement. À 600 000 euros, j'ai à 600 000. Toutes les personnes qui enchérissent au restaurant, je ne pourrais pas vous dire qui c'est. À 650 000. Je ne vois pas, tout simplement. À 650 000 euros, mettez 700. Try 700 à 650 000 euros. Lovely Coltier. 650 000 euros l'enchère par Guillaume. À 650 000 euros et c'est plus vous, Ingrid. À 650 000 euros, que dit-on, Ingrid? Mettez 700. À 650 000 euros. À 650 000 euros, c'est Guillaume qui tient l'enchère. Contre vous, Ingrid. À 650 000 euros, fini, Ingrid. À 650 000 euros. Semble-t-il, on va juger et on dit non du côté du restaurant. Il suffit d'un Vassibé Spirit. L'enjeuleuse La Mer était l'une des toutes premières, si ce n'est la première. On a jugé. 650 000 euros. Poulinière. Guillaume, votre cher. L'écurie des Monceaux.